Salut tout le monde, aujourd'hui on est au Mama Festival. Ça a commencé hier, mais hier il n'y avait pas... Enfin, j'étais assez occupée. Et aujourd'hui, on est le deuxième jour et Et c'est trop cool de pouvoir revenir Mama encore une fois cette année. Et voilà, ça va être chouette de montrer des trucs. Venez. Thank you.
Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition du Mama Festival? Bah franchement moi c'était la première fois que je faisais mon Mama et c'était vraiment cool. Ça m'a permis de rencontrer pas mal d'artistes, pas mal de pros. Je sais que c'est pas facile d'aller faire des contacts, tout simplement. Mais ça m'a permis vraiment de rencontrer des personnes qui jouent, d'assister à des concerts d'artistes que je ne connaissais pas. Et, voilà, j'ai dit un petit mot. Et moi, pareil, je trouvais que c'était une super opportunité pour les artistes de se faire connaître, de se confronter à un nouveau public. Et même nous, en tant qu'artistes, de pouvoir rencontrer des professionnels, de se lancer à fond dans ce lieu-là et de se confronter même à nous-mêmes. Parce que c'est la première fois qu'on se confronte vraiment et qu'on défend nos projets musicaux. Je trouvais ça vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et ce serait à refaire avec plaisir. Voilà, on sera là l'année prochaine. On sera rendez-vous l'année prochaine. C'est la fin de ce Mama Festival, c'est très chouette, c'est encore mieux que les éditions du coup avant le Covid. Et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure en vidéo.